Alors, bonjour à tous. J'ai oublié d'enregistrer le début en déballant le masque et en le mettant. C'était plutôt facile à le mettre, donc désolée. Il y a une abonnée lors de mon dernier haul Action qui m'avait demandé à ce que je fasse un petit crash test de ce hydrogel masque, masque à lèvres hydrogel. Alors là, je l'ai appliqué, donc c'est facile d'appliquer. Par contre, si vous commencez à ouvrir un peu la bouche pour essayer de parler, ça a tendance à se décoller un peu. Mais là, j'ai l'impression que ça me les a adoucis. Alors, vous voyez, ça se présente comme ceci, hein, tout simplement. Donc, désolé, vous n'aurez pas le début, mais bon, il n'y avait rien d'intéressant. À part ouvrir le masque, le déballer, l'appliquer, c'est très facile d'utilisation. Donc, voilà comment ça se présentait. Donc, c'est la première fois que j'en trouvais dans mon Action. Et franchement, je trouve que c'est plutôt top. C'est facile d'utilisation. Par contre, si vous commencez à vouloir parler, ou ça se décolle légèrement, mais au bout de 10 minutes. Hein. Et là, la sensation, je trouve que j'ai les lèvres assez douces. À voir, parce que eux, ils disent, alors je vais vous lire déjà ce qu'ils disent. Masque à lèvres hydrogel pour des lèvres hydratées, douces et pulpeuses. Donc, utilisation, sortez le masque de l'emballage. Donc, vous aviez un emballage en plastique. Bon, là, il est dans la poubelle. Je ne vais pas vous le sortir, hein, mais en emballage tout plastique. Hein. Donc, sortez le masque de l'emballage et appliquez-le sur les lèvres propres. Pressez pour obtenir un bon contact avec la peau. Retirez le masque après 15 à 20 minutes et masser pour faire pénétrer l'excédent de sérum dans les lèvres. Donc là, j'ai massé. Je trouve pas qu'en l'enlevant, il y avait beaucoup de sérum. Après, j'ai les lèvres douces. Mais ils disent pas qu'il faut appliquer du baume à lèvres. Alors, je vais voir dans une heure si j'en applique ou pas. Avant, au préalable, je posais ça là. J'avais fait un petit gommage. Voilà, c'est le Sugar Lip Scrub de chez Action, à la fraise. Je vais vous l'ouvrir. D'ailleurs, au passage, je l'ai en double car j'ai une collègue. On s'était fait des petits cadeaux avant Noël, et etc. Elle n'avait pas pu y aller, etc. Donc, elle me les a ramenés au retour. Et j'en ai un deuxième. Et franchement, si vous le trouvez chez Action, il est génial. Au passage, je vous ferai une petite vidéo sur les cadeaux qu'elle m'a offert. Des petits cadeaux Action que j'adore. Donc, voici comment ça se présente, vous voyez. Donc, j'ai fait ça avant d'appliquer donc le masque. Je me suis dit pour avoir un maximum d'hydratation. Donc, vous voyez, ce sont des petits grains de sucre. Voilà. Et je vous avais dit... dans mes favoris qu'au début je trouvais que ça gommait pas trop, mais en fin de compte aussi les grains sont tout petits, hein, voyez, à force de creuser les grains apparaissent, et franchement c'est plutôt top. Donc j'ai fait ça avant de faire donc le masque hydrogel, le masque à lèvres hydrogel. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de sérum qui est resté, mais j'ai laissé poser à peu près 25 minutes. J'ai laissé poser 5 minutes de plus de ce qu'ils préconisent. Voilà, bah écoutez, premier test, plutôt pas mal. Maintenant, je vous redirai précisément dans mes produits terminés ce que j'en pense au final. Si au cours de la nuit, il a fallu que je remette un peu de baume à lèvres, ou un peu avant de me coucher plutôt. Donc, voilà. À voir dans mes produits terminés, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. La première impression, j'ai lèvres toutes douces, grâce au gommage aussi. Hein. Et facile d'utilisation, sauf quand vous avez tendance à ouvrir la bouche. Donc là, ça se décolle légèrement, vous le recollez, et puis voilà. Donc, voilà, j'ai fait un petit crash test. C'est pour toi, si tu passes par là, ma belle, tu m'avais demandé... un petit crash test, donc désolé, par contre, j'ai oublié de filmer le début, l'ouverture, etc. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était assez sympa, je trouve. J'aime bien ce style de vidéo, des petits crash tests. N'est pas obligé de faire toujours des crash tests de maquillage, hein, des petits produits comme ceci, c'est vraiment top. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous
Et je vous dis bye bye.